Salut à toutes et à tous, c'est SiWed. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Magic the Gathering, la suite des Commander Legends, Dungeons et Dragons, la bataille de la porte de Baldur, avec cette fois-ci l'ouverture des 4 decks Commander, à savoir le deck en Orzhov, si c'est ça c'est Orzhov, j'ai eu un doute, le deck ici en Izzet, hop, derrière il y a le deck en Dimir, et enfin ici le deck en Gruul. On va tous s'ouvrir, vous inquiétez pas, c'est juste alors. Je vais faire pour chacun la présentation de la boîte, comme d'habitude, la présentation du produit. Ensuite, je passerai sur comment s'appelle le contenu, tout simplement, le plus important. Je m'attarderai sur chaque carte qui est exclusive, parce qu'il y a des cartes exclusives à chaque deck commander. Il y en a 10 chacun, si je ne me trompe pas. Et enfin, alors, chaque deck contient un échantillon d'un booster collector. C'est marqué dessus, de toute façon, vous allez voir. Mais ça, j'ouvrirai pour la toute fin, comme ça nous fera un petit bonus. Et écoutez, hop, ne perdons pas plus de temps. Hop, tac, hop. Comme vous voyez, malheureusement, bon, ils sont quand même assez gros. Ils sont vraiment costauds, hein. Ils sont plus grands que des displays, les commandeurs, comme ça. Donc, j'ai besoin d'un peu de place, c'est compliqué. Mais du coup, on va commencer avec C'est la fête. Donc, le premier deck Commander Legends, Donjons et Dragons, la bataille de la porte de Baldur. Du coup, en Orzhov, donc en, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en blanc et noir. Juste ici, donc avec ici Nalia de. Enfin, des Arnis, je sais pas trop comment on le dit. Mais du coup, cette madame. Hop, sur le côté, bon, à chaque fois c'est des artworks un peu étendus. Là, ici, sur le devant, hop, ici. Bon, là, j'ai déjà un peu dépiauté pour pas qu'on perde trop de temps, puisque la vidéo risque quand même d'être assez longue. C'est votre groupe et ils mourront si ça vous plaît. Choisissez votre commandant et battez vos ennemis et amis dans ce format multijoueur ultime de Magic. Retrouvez Nalia et un groupe de clercs et de gredins, de guerriers et de sorciers. Un groupe complet vous donnera accès à des bonus massifs qui feront mordre la poussière, à vos adversaires. Et bah écoutez, on va voir si effectivement on va faire mordre la poussière avec ce deck là. Hop, on est parti pour l'unboxing du déboîtage. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il contient donc ce deck? Tac. Voilà. Alors, donc ici, on a. Hop. Comme d'habitude, hein, vous avez des petits jetons, etc. pour. Ils sont en foil, ceux-là. Il y a un relief foil dessus, d'accord, pourquoi pas. Hop. Est-ce que c'est une vraie carte jumbo? Non, c'est juste print dessus, ça c'est un peu dommage. Enfin, un peu dommage. On s'en fout ultimement, mais bon. Ça aurait été quand même plus cool. Hop, tac. Alors, voici du coup la petite boîte qui contient le deck en lui-même. Avec la. Bon, c'est des boîtes en carton, mais elles sont quand même sacrément stylées. Hop, voilà. Tac. Alors. Tac. Et le booster échantillon qu'on garde pour la fin, ça par contre. Hop, on se fera un petit kiff. Tac. Hop, j'ai vraiment besoin de place sur ce bureau, c'est incroyable. Hop. Ici, on a. Oh, un compteur de points de vie. Ah, ça, c'est bien. Est-ce qu'il va jusqu'à 40? Je pense que oui, en théorie. Ouais, c'est bien, ça y va jusqu'à 40. Bon, ça, c'est plutôt sympa, pour ceux qui ne savent pas. Du coup, en gros, ça permet de compter le. Il y a le compteur classique ici, d'accord. Bon, en vrai, c'est plutôt sympa. Mais en gros, cette petite roulette vous permet de compter vos points de vie. Là, pour le format commander, du coup, 40 points de vie. Là, pour le format classique, à 20. D'ailleurs, c'est marrant, 20, 21, ok. Je savais pas que ça marchait comme ça. Enfin, je savais pas. Je trouve ça un peu particulier. Ça, bon, du coup, c'est le truc des règles, etc. Est-ce que ça donne des indications un peu sur comment jouer le deck? En vrai, si c'est le cas, à chaque fois, c'est plutôt sympa. C'est la fête. Ouais, non, ça explique juste les règles sur un petit flyer, ça la con. Bon, ça, on s'en fiche. Tac. Et du coup, messieurs, dames. Oh, on a. Qu'est-ce que c'est? On a deux Nalia. Bah, écoutez, on a une Edge Foil. Ah, c'est peut-être. Attendez. On va voir ça tout de suite. Hop, on va commencer par ça. Ça se trouve, c'est peut-être chaque carte exclusive, mais en foil, peut-être. Je vous avoue que, en termes de contenu du produit, ils sont pas très explicites. Mais du coup, Nalia des Arnis, bon, on va les lire ici, tout simplement. Créature légendaire, humain gredin. Vous pouvez régaler la carte du dessus de votre bibliothèque. À tout moment, vous pouvez lancer des sorts de clair, de gredin, de guerrier et de sorcier depuis le dessus de votre bibliothèque. Au début du combat, pendant votre tour, si vous avez un groupe complet, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Et ces créatures acquièrent le contact mortel. Est-ce que l'autre explique ce que c'est un groupe complet? Non. Dommage, un peu dommage. Hop, alors, oula. Ah oui, mais attendez. Ah non, c'est une seule carte? J'ai un doute. Elle me paraît giga fat, cette Nalia, si c'est le cas. Bah même la texture, en fait, est très bizarre. Ces deux cartes, ils sont chiés dessus, c'est pas possible. Elle me paraît giga fat. Vous voyez? Non, bah ça a l'air d'être qu'une seule carte, d'accord, c'est très bizarre, on verra si les autres c'est comme ça également. L'initiative du coup, ah oui c'est les jetons, d'accord c'est que des jetons, ok.
Un jeton change forme, avec derrière un jeton Asis, ok, change forme. Et ici, qu'est-ce que c'est? C'est un change forme aussi, ok, bon, il y a plusieurs change formes, ça c'est cool. Un corps guerrier, un change forme, un corps guerrier, un ange guerrier, un corps guerrier, un sorcier, un corps guerrier, un trésor, d'accord, un guerrier, un encrelin, un guerrier et un encrelin. Ok, je pense que c'est une espèce de jeton, je sais pas trop ce que c'est. Mais toute la texture est vraiment très bizarre, bon. Je n'explique pas ce que c'est, messieurs, dames. Hop, nous verrons plus tard, tac, donc ça, on va mettre ça là, et on va pouvoir passer au deck en lui-même, hop, voilà, allez, veux-tu bien, ah, bon, évidemment, les ouvertures faciles et moi, si un jour ça marchait réellement, ça serait, hop, enfin, les ouvertures faciles marchent toujours, hein. C'est juste moi qui, bon, ai toujours une chance de cocu avec ça. Pourquoi vous avez inventé des ouvertures faciles qui sont pas faciles? Comme les briquettes de lait, hein. L'ouverture facile, je la cherche toujours, hein, sur les briques de lait. Hop, voilà. Allez, là on dépiaute bien, là c'est pas mal, là on tient quelque chose, on tient le bon bout. Allez messieurs dames, allez petit, allez pour la France, allez, tu peux y arriver. Oui, 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 c'est bon, on a réussi. Donc pour ceux qui ne savent pas, la particularité du commandeur, c'est que c'est un deck de 100 cartes avec un commandant. Qui d'ailleurs, ok, donc techniquement, ok, on a les différents commandants qui sont juste ici, bah écoutez, tant mieux. Donc Nalia, qu'on a déjà lu. Burakos, chef de groupe. Alors, créature légendaire orc, Burakos, chef de groupe, est aussi un clerc, gredin, guerrier et sorcier. A chaque fois que Burakos attaque, le joueur défenseur perd X points de vie et vous créez X jetons trésor, X étant le nombre de créatures de votre groupe. Choisissez un passé, vous pouvez avoir un passé comme deuxième commandant. D'accord. Bon, c'est plutôt sympa en vrai. Et ici, héros du peuple, enchantement légendaire passé, bah, étrange. Les créatures commandants que vous possédez ont, à chaque fois que vous lancez un sort qui partage un type de créature avec cette créature, piochez une carte, cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour, mais c'est pour deux. En vrai, c'est plutôt sympa. Hop, là, le petit truc qui explique les tours. Et on va pouvoir passer, messieurs, dames, au restant du deck en lui-même. Avec ici, un gnome des profondeurs, terramancien. Donc, créature, gnome et sorcier, flash, façonnage de la terre. A chaque fois qu'au moins un terrain arrive sur le champ de bataille sous le contrôle d'un adversaire sans être joué, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de plaine, la mettre sur le champ de bataille engagé, puis mélanger. Ne faites ceci qu'une seule fois par tour. D'accord, c'est plutôt sympa. Recruteuse des ménestrels, donc vol, guerrier. C'est un guerrier, humain guerrier. Chaque fois que la recruteuse des ménestrels attaque, regardez les 4 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez révéler une carte de clerc, de gredin et... Alors, une carte de guerrier et ou une carte de sorcier parmi elles et les mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ok, c'est plutôt fort. En vrai, c'est vraiment sympa. Exploratrice aguerrie. Quand l'exploratrice aguerrie arrive sur le champ de bataille, vous prenez l'initiative. À chaque fois que vous attaquez, la cible attaquante, clerc, gredin, guerrier ou sorcier, acquiert la protection contre les créatures jusqu'à la fin du tour. Elle explore. Et du coup, vous pouvez visiter le donjon. Non. Explorer, attendez. Ouais, la carte du dessus de votre bibliothèque, mettez cette carte dans votre main si c'est un terrain, sinon mettez un marqueur +1/+1 sur la créature, puis remettez la carte au-dessus de votre bibliothèque ou mettez-la dans votre cimetière. Ah oui, c'est plutôt sympa explorer en fait. Ok, c'est vraiment fort. Restez groupé. Chaque joueur choisit un groupe parmi les créatures qu'il contrôle, puis il sacrifie le reste. Pour choisir un groupe, choisissez jusqu'à un clerc, un gredin, un guerrier et un sorcier. D'accord. Ouais, donc c'est ça groupé techniquement. Connexion du marché noir. Au début de votre première phase principale, choisissez l'un ou plus. Vendre de la contrebande, créer un jeton trésor, vous perdez un point de vie. Acheter des informations, piocher une carte, vous perdez 2 points de vie. Engager un mercenaire, créer un jeton de créature 3-2 incolore, change forme avec le changelin, vous perdez 3 points de vie, il a tous les types de créatures. Ok, c'est plutôt sympa. En vrai, ce truc est plutôt cool. Guide de mort solennel. Alors, vol, chaque carte de créature de votre cimetière qui est un clerc, gredin et guerrier et ou un sorcier a exhumation 2. Donc vous pouvez le renvoyer sur le champ de bataille avec célérité en payant 2, dont un noir, mais vous l'exilez au début de la prochaine étape de fin ou si elle devait quitter le champ de bataille. Et on ne peut exhumer que durant son tour, enfin en rituel. Baudrier multiclasse, la créature équipée a le lien de vie si vous contrôlez un clerc, le contact mortel si vous contrôlez un gredin, la célérité si vous contrôlez un guerrier et le vol si vous contrôlez un sorcier. Tant que vous avez un groupe complet, donc avoir tout le monde, prévenez toutes les blessures qui devraient être infligées à la créature équipée. Ça se joue pour 1 et ça s'équipe pour 2, c'est plutôt sympa. Archipêtre Diona, donc un humain clerc, la force de l'archipêtre Diona est égale au nombre de créatures dans votre groupe. Votre groupe est composé de jusqu'à un guerrier, un gredin. Donc au minimum c'est une 1, ouais c'est une 1-2 quand tu la joues, mais ça peut être une 4-2, c'est plutôt sympa. Au début du combat du combat pendant votre tour, si vous avez un groupe complet, une créature ciblée gagne +1/+1 et acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Oh, c'est plutôt sympa.
Commandant d'austérité, donc rituel, choisissez 2, détruisez tous les artefacts, tous les enchantements, toutes les créatures dont la valeur de mana est inférieure ou égale à 3, détruisez toutes les créatures dont la valeur de mana est supérieure ou égale à 4. C'est plutôt fort aussi. Évêque des temps passés, vol, à chaque fois que vous lancez un sort de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3, enquêtez, crée un jeton indice, et on peut saquer ce jeton pour 2 pour piocher une carte. Ok, c'est plutôt sympa. Le crépuscule, détruisez toutes les créatures de force supérieure ou égale à 3, ok. Et aube, alors répercussion, ne lancez ce sort que depuis votre cimetière, exilez-le ensuite. Renvoyez toutes les cartes de créatures de force inférieure ou égale à 2 depuis votre cimetière dans votre main. D'accord, c'est plutôt sympa. Et je suis en train de me demander, est-ce qu'à chaque fois ça va être comme ça? Ah oui, donc oui. Oui, non, on est dans la merde si je fais ça comme ça, ok. Je pensais que toutes les cartes étaient forcément... comment dire, avait toujours, vous savez, le petit numéro là comme ça, mais ouais, non, ça va être un enfer si on fait comme ça. Donc écoutez, 8 queues et demi. Carabin du front. Mage poudre-vent. Protectrice glorieuse. Jazal crinière d'or. D'accord, crinière d'or, je l'avais jamais vu. Mage de l'équilibre. Micaeus le lunarque. Entité miroir, ça c'est une plutôt bonne carte. Ordre de blanche argile. Esprit dévoué. Bon, après là, il va y avoir quelques cartes au pif. Hop, recrue solennelle. Le commandant des squads, formation inébranlable, champion sanguinolent, le boucher de Malakir, ça c'est plutôt sympa, liche calculatrice, dévastateur de la flotte implacable, Gonti, seigneur de l'opulence, putain je savais pas qu'ils avaient remis Gonti là-dedans, aruspice sinistre, employé sinistre, chef d'assaut marduant, déchiqueteuse aux lames cérébrales, charognard, faucon de nuit, pontife du fléau, pontife c'est plutôt bien, clique des marionnettistes, Félissa, croc de plume argent, châtiment de Firja, Grand prêtre de la pénitence, Nexus de masque bois, château de Loctwain, ok. Le mut caveau, oh merde, il y a le mut caveau dedans, d'accord, bon le mut caveau c'est plutôt sympa aussi. Fumerole titubante, temple du silence, caveau de l'archange, salle de guerre, eau de vente abrupte, j'y arriverai pas, cachet d'ésotérisme, ça c'est plutôt cool, une tour de commandement, cérébro-senseur ave-main, échange au berceau, ça c'est plutôt cool. Cohorte irrégulière. Suivante du mage. La mère des runes, c'est sympa aussi. Prêtre de la sapience ancestrale. Rassembleuse de rumeurs. Changelin vaillant. Proscrit changelin. Augure de cadavre. Prêtre de sang de Malakir. Trompé de la tombe. Surineur de Zulaporte, ça c'est cool aussi. Suppression d'étincelles. Cachet d'Orzov. Le pince-crâne. Ah, c'était pas banni ça le pince-crâne. Un anneau solaire. Talisman de hiérarchie, lande cendreuse, marécage de Bojuka, fondrière mortuaire, ok, paysage myriadaire, basilisque de Dorzov, voie de l'ascendance, doline de plaine neigeuse, sanctuaire sous les étoiles, le champ souillé, plaine, et là je suppose c'est les terrains de base, ouais. Et là on termine avec, du coup avec les terrains de base, ok, donc ce premier deck, en vrai est plutôt sympa. Je l'aime bien ce deck Orzov, hop, on va le mettre ici. Et messieurs, dames, donc je vais pas faire l'erreur, je vais pas lire toutes les cartes comme ça d'un coup. Mais du coup, on le saura pour après. La dissension draconique, le deuxième deck, hop, un vol de furie. Alors, choisissez votre commandant et battez vos amis. Alors, jurez fidélité à Firgrag et manipulez vos adversaires à votre avantage. Incitez leurs créatures jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul rival. Puis achevez-le avec un bataillon de dragons. Donc un deck dragon, ça peut être cool. Sincèrement, ça peut être même être vraiment sympa. Hop, tac. On prend ce qui nous intéresse comme d'habitude. Tac, le reste. On commence à connaître la chanson. Alors. Donc la petite boîte en elle-même. En isette. Ce dragon est vraiment stylé, hein, ce petit dragon-là. Hop. Tac. Alors. Hop. Voilà. Le booster qu'on garde pour la fin, évidemment, messieurs, dames. Tac. Voilà. Le compteur de points de vie à l'effigie du dragon. Tac. Ça, on s'en fiche. Ouais, du coup, ils en remettent un. Donc, je pense que ça doit être des... Je sais pas. Je sais pas pourquoi ils mettent ça comme ça. C'est beaucoup plus dur, en fait. Sans pouvoir le toucher, c'est compliqué à expliquer. Mais c'est pas une vraie carte, en fait. C'est un bout plus cartonneux, on va dire, qu'une carte classique, en fait. C'est très, très, très bizarre d'avoir fait ça. Mais du coup, pour les jetons, hop. Ça, on va passer un peu plus vite. Voilà. Ah, oh. Oh. Oh, je vous connais, vous. Oh non, ils sont dedans. Ils les ont remis, les coups. On vous avait dit de les euthanasier. Hop, tac. Voilà. Ah. Non, non.
Ça y est, mes pires cauchemars recommencent. Les ouvertures faciles qui sont pas faciles. J'ai pas réussi. Mais sire, j'ai pas réussi. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Voilà. Hop là. Alors, on va pouvoir regarder les trois. Je pense que je vais juste lire les trois commandants et on passera à la suite directement, enfin, en mode échantillon. Alors, Fearcrag, investigateur. Instigateur, pardon, rusé, vol célérité, à chaque fois qu'au moins un dragon que vous contrôlez attaque un adversaire, incitez une créature ciblée que ce joueur contrôle. Donc incitez, vous le forcez, vous le dégagez pour qu'il bloque ou qu'il combatte au tour suivant, j'ai un énorme doute. À chaque fois qu'une créature inflige des blessures, pardon, de combat à un adversaire, si cette créature, pardon, a dû attaquer pendant ce combat, vous mettez un marqueur +1/+1 sur Fearcrag, instigateur rusé, et vous piochez une carte, c'est plutôt sympa. Baylot, Baryteal, amuseur public, les créatures que vos adversaires contrôlent avec une force inférieure à celle de Baryloth sont incitées. Elles attaquent à chaque combat si possible et attaquent un autre joueur que vous si possible. À chaque fois qu'une créature incitée attaquante ou bloqueuse meurt, vous créez un jeton trésor et vous pouvez choisir un passé. Et le passé, ce sera le façonneur de clan. Enchantement légendaire. Alors, les créatures commandants que vous possédez ont pour deux sacrifié un artefact. Mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature et piochez une carte. Ok. Ah oui, c'est plutôt sympa. Hop. Et bah écoutez, messieurs, dames, on est parti pour le contenu du deck avec une classe artificier. Dragon astral. Doppelganger moqueur. Khazit ennuyeux. Baiser de la mort. Querelle de butin. Affrontement spectaculaire. Bourrasque des terres. Je vais essayer de. Ouais, je vais faire ça comme ça plutôt. Hop. Tortue pêcheuse pour que vous puissiez lire surtout. Tac. Voilà. Malédiction du pourceau. Champ de dissipation ici. Volonté dominatrice. Kaiga l'étoile des marées. Très stylée cette carte. Horloge de minuit. Baleine pourchassée. Reine du pouvoir. Instigateur sournois. Will Kenrith. Fourmi agitatrice. La guerre d'Akros. Hop, tac, je suis en train de me battre en même temps, excusez-moi, avec comment je suis en train de ranger. Avatar du massacre. Acte blasphématoire, taquineur effronté, réaction en chaîne, dragon du chaos, distorsion chaotique, ça c'est fort, bouleversement de convenance, Dracucette gueule de flamme, furie de géode, maître espion gobelin, Kazul tyran des falaises, Rowan Kenrith, bon, on les connaît ces deux-là, Ryusei l'étoile descendante, Escouflanfer territorial, dragon du tonnerre, ancêtre vengeur, Escouflanfer Bellicite, Niv-Mizzet parrain, oh mon dieu. Il est fort hein, ce Niv-Mizzet, il est vraiment très très fort. C'est pas, de mémoire, c'est pas non plus le meilleur, mais il est cool. Butin du dragon, Simulacre solennel, Escouflanfer d'acier, Poupée de son, Château de Ventress, Phare abandonné, Castelcaire, Temple de la Révélation, Fumerolle vagabonde, Impétus psychique, Impétus brillant, Cachet d'ésotérisme, Cerf bruni, Pierre de l'esprit, babiole du voyageur, tour de commandement, recherche compulsive, malédiction de loquacité, propagande, malédiction d'opulence, dragon farfadé, lame assoiffée de sang, pierre de Guermont, archive édron, cachet d'isette, un anneau solaire, talisman de créativité, lande cendreuse, chaufferie d'isette, paysage myriadaire, la voie de l'ascendance, un campus de prismari, Tour du reliquaire, temple de la fausse divinité, générateur de terrain, et ensuite les terrains de base, donc les îles et les marais. Ok. Bon, le deck dragon, ça a l'air d'être un gros deck bourrin vu le contenu. Même s'il y a quand même beaucoup de contrôle. Enfin, de contrôle parmi les créatures, etc. J'ai pas vu tant de rituels que ça. Enfin, d'éphémères que ça. Mais en vrai, peut-être celui qui aura besoin le plus de, je pense, de comment ça s'appelle? De retravail, on va dire, externe, mais en vrai, la base est quand même solide, hein, je pense, de ce deck-là. Hop. Et du coup, messieurs, dames, gare au flagelleur, au flagueur. Oh merde, les tétons flingueurs! Avec le capitaine, pardon, Engastrod. On est parti, alors. Naviguez et pillez. Rejoignez l'équipage disparate d'horreur du capitaine Nengashfrod. Et pillez les sorts les plus puissants de vos adversaires, ce qui leur appartient vous appartient, et ce qui vous appartient est mortel. Oh, en vrai, la catchphrase est stylée. Donc je suppose, si tu vas regarder le dessous du deck adverse, etc., et de piller ses ressources, il y a de grandes chances. C'est le genre de deck qui, généralement, c'est pas très très plaisant à affronter. C'est ceux qui se font hard focus en multi, généralement.
parce que c'est les pets de couilles. Hop, tac, voilà. Alors, le petit booster bonus pour la fin, tac, voilà. En fait, je sais pas si c'est des cartes au pif pour le booster échantillon, mais écoutez, on va bien voir. Hop, le compteur de points de vie ici. Comme d'habitude, il est très joli celui-là. Hop, voilà. Les cartes promo. Enfin, cartes promo. Non, les jetons plutôt. Hop, voilà. Oh, un Eldrazi horreur. Ça me plaît, ça, généralement. Les Eldrazi, je les aime beaucoup, hein, pour ceux qui se demandent. Du coup, le capitaine ici en... Bah, je sais pas ce que c'est, du coup, ces cartes-là, mais... Un calamar. Oh non. Vous voulez dire que le capitaine Poulpe joue des calamars? Quel enfer. Mais du coup, hop, les jetons horreur, tac, avec des horreurs, etc. Il y a des centaures aussi, bon, pourquoi pas. On n'est plus à ça près, hop. Tac, et écoutez, messieurs, dames, on va pouvoir passer au deck en lui-même. Lire les trois importants, et bon, comme d'hab, hein, lire le... Enfin, survoler, on va dire, pour comprendre un peu la stratégie du deck, le restant. Hop, voilà. Tac, à l'heure. Hop, 1, 2, 3, ça, on le met à la poubelle, tac. Et on est parti, messieurs, dames. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Du coup, le capitaine Nengashrod. Les horreurs que vous contrôlez ont la menace. C'est une horreur et un pirate en plus. À chaque fois qu'une horreur que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur meule autant de cartes. Oh! Ça peut être sympa. Alors, en commandant, c'est très chiant de tout meuler, mais pourquoi pas. Au début de votre étape de fin, choisissez une carte d'artefact ou de créature ciblée dans le cimetière d'un adversaire qui a été mise depuis sa bibliothèque ce tour-ci. Mettez-la sur le champ de bataille sous votre contrôle, d'accord. Ok, il est très drôle, le capitaine. Je l'aime beaucoup. Zélix, flagelleur, d'aliénation. Il est très laid. Créature légendaire horreur. Esprit de ruche. À chaque fois qu'un joueur meule au moins une carte de créature, vous créez un jeton de créature 1-1 noir. Chaque fois qu'un joueur meule au moins une carte de... Ah! Ça peut être fort. 1, et vous l'engagez. Un joueur ciblé meule 3 cartes. Choisissez un passé, du coup. Et le passé, qu'est-ce que ce sera avec lui? Lui qui est tenté. Les créatures commandants que vous possédez ont à chaque fois ces créatures devient engagées, elles et les autres créatures que vous contrôlez qui partagent un type de créature avec elles gagnent plus 2, plus 0 et acquièrent la survivance jusqu'à la fin du tour. Quand une créature avec la survivance meurt, si elle n'avait pas de marqueur plus 1 sur elle, renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur plus 1 sur elle. D'accord, c'est plutôt gras. Alors, on est parti, messieurs, dames, avec le rejeton. Et hop, c'est toujours très chiant à tenir les decks à 100 cartes. Rejetons Abolette. Mal infini. Philosophe grêle. Rituel psionique. Dragon voleur d'esprit. Venu des catacombes. Uchulon. Indolent des gouffres. Création oubliée. Lucidité fracturée. Grasilax érudit illit. L'horreur briscoc. Bah encore là. Oh merde, c'est un leyline. Ligne lay de préscience. Flagelleur mental, hop, amalgame surchargé, extraction du lendemain, reflet de l'Idjara, invasar, infiltration des quais, marché noir, c'est une très vieille carte, en tout cas l'artwork est très très vieux, peur paralysante, grand numéro, couvée ténébreuse, moissonneur de Méphidros, culpabilivore, maléfice hexagonal, horreur au rabais, dans le sillage de Garruk, Hurle nuit, la carte est très belle. Nihilit, la carte est magnifique. Némésis des égouts. Enjambeur de malheur, oh non pas lui. Aberration dévorante. Saccagement de mémoire. Némésis de la raison. Révocateur phyrexian. Rampeur psychotique. Morgue sort, elle est très belle cette carte, mais j'ai un... remplacer une... Ouais, c'est bien ce qui me semblait... C'est de la connerie ce truc, ok. Estuaire asphyxié. Fosse à goudron en rampante. Catacombe de sombro. Temple du cimetière marin, un verger exotique, cimetière marin de Néphalie, rivière de larmes, dépression engloutie, temple de la tromperie, cachet d'ésotérisme, pierre de l'esprit, tour de commandement, fée ou fiction, horreur d'Oti, déchiqueteur de crépuscule, nourrir les saints, furie phyrexiane, cracheur de peste, mon dieu il est très très vieux ce monstre aussi, chupacabra vorace, siphonner l'esprit, hop. Noyade dans le loc, extraire des ténèbres, rune clé de Dimir, cachet de Dimir, le calice toujours ruisselant, c'est très bizarre de le voir aussi, corps du héros, les jambières d'éclair, ça c'est plutôt sympa, manivelle à esprit, un anneau solaire, talisman de dominance, l'urne de pensée, l'urne cendreuse,
un aqueduc de Dimir, paysage myriadaire, la voie de l'ascendance, porte de Carfel, passage des malandrins, ça c'est cool aussi, île souillée, temple de la fausse divinité, et on arrive sur les îles et les marais. Ok. Bon, ce deck-là est vraiment peut-être celui qui m'intéresse le plus. Sincèrement, le fait de meule, mais de lui prendre ses ressources, je trouve ça très drôle, sincèrement. Je trouve ça vraiment sympa. Mais en vrai, ça se bat. Lui, il me tente bien, mais lui est peut-être mon préféré, le Captain. Captain est peut-être mon préféré, là, sincèrement. Et du coup, messieurs, dames, plus qu'un deck. Le sort de l'exil, avec du coup ici, hop, notre petit Faldorn. Enfin, oui, c'est Faldorn. J'ai toujours peur de dire Faldron, en fait, à chaque fois de me tromper. Au-delà du champ de bataille, rejoignez Faldorn dans la nature et lancez d'innombrables cartes depuis l'exil. Vous serez récompensé à chaque fois. Utilisez sa capacité pour traquer vos cartes les plus puissantes, puis piétiner vos adversaires avec vos créatures géantes. Ah ouais, rien que ça. Eh bien, écoutez, on va voir si c'est vrai. Hop, tac, voilà, hop, tac. Alors, moi je commence à plus avoir de place. Il n'y a plus de place, on va mettre ça où? Tac, du coup ici, la petite deck box. Hop, voilà. Tac, ça c'est bon. Le petit booster d'échantillon. Il n'y a rien d'autre. Non, ça dégroge. Oh, le captain, c'est vraiment le plus beau, je pense, des compteurs de points de vie. Tac, ça, on s'en fiche. Et on est parti, messieurs dames. On commence par les jetons, comme d'habitude. Hop. Oh là, il y a une givre. Enfin, une givre. Une givre, pardon, ici. Du coup, la Faldorn en... Bizarre. J'ai pas le nom de ces cartes-là. Je trouve ça vraiment très, très bizarre qu'ils aient fait ça comme ça. Mais bon, écoutez, pourquoi pas. Oh, c'est les bêtes de... Ah, c'était quoi, de Ikoria. D'accord, ça fait très bizarre de les revoir. Hop, ici. Et du coup, messieurs dames, on va pouvoir passer au deck en lui-même. En espérant que je ne me chie pas sur l'ouverture facile. Ça a l'air bien parti. Ça a l'air étrangement bien parti. Et bah c'est bien parti. Bon écoutez, on va pas se plaindre. Hop, tac. Voilà. Alors, du coup, nos commandants, qu'est-ce que ce sera donc? Faldorn, héros des loups vénérables. A chaque fois que vous lancez un sort depuis l'exil ou qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle depuis l'exil, créez un jeton de créature loup de 2 vertes. 1. Et engagé, défaussez-vous d'une carte, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la jouer ce tour-ci. Oh, c'est plutôt sympa. Durnan, du portail béant. A chaque fois que Durnan attaque, regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez exiler une carte de créature parmi elles, mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Tant que cette carte reste exilée, vous pouvez la lancer ce sort à la témérité. Pardon. Alors qu'est-ce que ça fait? Il coûte 1 de moins à lancer pour chaque adversaire. D'accord. Choisissez un passé, du coup, qu'est-ce que sera le passé? Archéologue passionné. Les créatures commandants que vous possédez ont, à chaque fois que vous lancez un sort depuis l'exil, cette créature inflige un nombre de blessures égal à la valeur de mana de ce sort à un adversaire. Comment ça? Les créatures commandants que vous possédez ont... Ah oui, non, c'est les gars, d'accord. Chaque fois que vous lancez un sort... Oh, c'est gras, ça, par contre, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah ouais, effectivement, les récompenses de l'exil, elles ont l'air fortes. Mais... Écoutez, on va bien voir, de toute façon c'est Grul, on lui demande pas d'être subtil, on lui demande de bourrer des mers. Boule de feu à retardement. J'ai bugué. Nalfelchni, je suppose que ça doit se dire comme ça. Un limon vert. Voyage vers la cité perdue. Chasseur Tlinkali. Aventure droit devant. Grimoire de Sarvok. Phénix de l'aurore, la carte est très belle. Géant Krakos, un petit Krakos, ok c'est cool qu'il ait reprint. Casse-cou de la flotte implacable. Pilleur de rêve. Étali, mon dieu, tempête primordiale. Les meilleurs dinosaures. Grand Gargadon. Embraser l'avenir. Chimiste d'Isette. Volonté de Jeska. Laelia. Moi, je crois que je l'ai bien dit en plus. Laelia, la lame reforgée. Mortier de Misium. Siège de l'avant-poste. Stratégie volée. Géant tectonique. Urabasque, le secret. Déferlement de l'orage de guerre. Hop. Ensorceleur de magie sauvage. Arasta de la toile sans fin. Mammouth de bataille, avant-coureur du grand terrassement, cycle alimentaire des Uri, la reine des frelons, ça c'est une carte que je devais récupérer il y a longtemps, bête frappée d'amour, hydre avaleuse de mana, don primitif, retour du langue bestion, convergence des givres de sable, la carte est très très belle, recluse à gomme sucrée, Vivienne championne des terres sauvages, évasion dans les friches, Xenagos le fêtard, baguette du chaos, château de Brezeret, clairière des scories,
piste du gibier, garenne au loup de Kessig, vallée de Moussefeu, pont de Fangemousse, ravin enragé, tertre de Rochépine, temple de l'abandon, sapience naturaliste, cachet d'ésotérisme, tour de commandement, éclair démoniaque, brise-bouclier de Brézerette, éclairer la piste, torrent volcanique, géant de tige de haricots, réveiller la bête, culture, oh culture c'est bien, explorer c'est sympa aussi, porter du Kodama c'est très très bien, restauration naturelle Paris c'est cool, ancêtre de la tribu Sakura, mais ça va, ça va les bonnes cartes là, à la recherche de demain, terramorphe, trois visites, elfe aux nattes sanguinolentes, Grumgully le généreux, il est marrant, anneau solaire, lande cendreuse, sylve gangrénée, territoire des grulles, forêt des hautes roches, paysage myriadaire, temple de la fausse divinité, et enfin les montagnes et les forêts pour terminer. Bon, alors, avant de s'ouvrir du coup les petits boosters échantillons, qu'est-ce que je pense des decks? Alors les decks sont vraiment cool, je pense à jouer, ils doivent être vraiment, ça doit vraiment être génial à jouer entre amis comme ça, mais rien qu'avec les decks tels quels. Le Faldorn, il m'a l'air un peu fort. Le capitaine, pareil, il a l'air vraiment cool. Le dragon, il a l'air lent à setup. Et le truc de... Enfin, et Nalia, donc le délire d'avoir tous les membres d'un groupe pour avoir au fur et à mesure des effets de plus en plus broken, c'est sympa, mais le problème, c'est que bah, le grul peut complètement t'interrupt si tu... Mais après, ça dépend. Garder tes ressources contre elle, en fait, faut vraiment le voir, je pense, dans l'optique de faire un 1v1, v1, v1, vous savez, un free-for-all à 4. Parce que les decks sont vraiment cool, je pense. Et, alors, le commander et la méta, je vous avoue que je ne la suis pas du tout. Je ne vais pas vous mentir. Donc, à voir. Mais en tout cas, c'était les decks sont vraiment sympas. Et enfin, messieurs, dames, on va pouvoir passer aux échantillons de booster. Donc, produits scellés non destinés à la revente. Ça, on se doute. Mon ami, ne t'en fais pas. Tac. Alors, on va commencer, bah, écoutez, par lui. Hop. Voilà. Alors, on va bien voir qu'est-ce qu'ils appellent échantillon. Est-ce que c'est des trucs prédéfinis ou non? Alors, on a... Ah bah, on a... Voilà, c'est déjà pas mal. C'est que deux cartes, d'accord. C'est que deux cartes. Et bah écoutez, on va bien voir. Chaton éclipsant. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Dérobade. À chaque fois que vous lancez un sort non-créature, exilez jusqu'à un permanent non-terrain ciblé que vous contrôlez, puis envoyez cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. D'accord. Et diamant du feu, mais du coup en foil. Ouais, les cartes sont forcément en foil, si je comprends bien. C'est ça le délire de l'échantillon. Ok, pourquoi pas, écoutez. Par contre, si on peut avoir des jetons et que le jeton que j'ai eu, c'était le truc secret clair de merde, je vous avoue que... un peu dégoûté. Hop, tac, voilà. Alors, veux-tu venir? C'est bon, ils sont bien indus. Hop, pareil, hein. Ouais, non, ça a l'air d'être toujours le même truc. Donc, archiviste dogma, ici. Flash, à chaque fois qu'un adversaire cherche dans sa bibliothèque, vous gagnez un point de vie et vous piochez une carte. Oh, c'est plutôt sympa. Kobold moqueur, lui on l'avait pas vu lors de l'ouverture. Célérité, à chaque fois que le kobold moqueur attaque, incitez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Oh, c'est plutôt sympa. Hop, tac. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans ce booster-ci? Voilà. Et hop. Alors, viens des loves. Je crois que j'ai pas réussi à... Ouais, non, c'est bien ce qui me semblait, le plastique s'est barré au moment de l'ouvrir. Alors, le problème c'est quoi? Pour récupérer ça, bah écoutez, tant pis, y a pas de choix. Hop, voilà. J'ai essayé de bien l'ouvrir, mais le problème c'est que vous voyez, le plastique ici s'est barré. Tant pis pour moi. Et du coup, hop, secret lair. Le dragon d'or ancien, ah bah c'est salut mon gars. Créature, alors ancêtre et dragon, vole à chaque fois que le dragon d'or ancien inflige des blessures de combat à un joueur, lancez un D20, vous créez un nombre de jetons de créatures bleues, peuple, fée et dragon avec le vol égal au résultat. Mais c'est stupide, c'est génial. Et un autre diamant du feu. Ah, on a eu deux diamants de feu. Pourquoi pas. Hop. Le dragon d'or ancien, d'ailleurs, je crois que c'était une... Enfin, on l'a pas eu, ça c'est sûr, mais c'est une putain de bonne carte qu'il fallait récupérer. Bah du coup, écoutez, je l'ai eu, on va pas se plaindre. Et j'ai un doute, je crois qu'il cote un petit peu ce bâtard, mais on va pas se plaindre, hop. Du coup, le dernier truc, et ici, alors, redirection de Gaël. Gaël! Alors, exiler un sort ciblé, puis lancer un D20, et ajouter la valeur de mana... Puis ajouter la valeur de mana de ce sort, d'accord. Entre 1 et 14, vous pouvez lancer la carte exilée tant qu'elle reste exilée. Vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait de n'importe quelle couleur pour lancer ce sort. 15 ou plus, vous lancez la carte exilée sans payer son coût de mana tant qu'elle reste exilée. Ah oui,
C'est plutôt sympa. Et un diamant du ciel, du coup, en foil cette fois-ci. D'accord. Eh bien, écoutez, messieurs, dames. Hop. Comme je vous l'ai dit, donc, la présentation des decks a déjà été faite. Comme ça. Enfin, ce que j'en pensais des decks, comme ça, vous perdez un peu moins de temps. Toc. Voilà. Oh. Hop. Et écoutez, bon, le chat, comme ça, voilà. Mais en tout cas, messieurs, dames, je vous retrouve pour d'autres vidéos. J'espère que la vidéo, en tout cas, en attendant, vous a plu aussi également. J'espère que c'était l'essentiel. Ça a duré certainement plus longtemps que les autres decks. Enfin, les autres reviews de decks que je fais d'habitude, mais là, 4 decks d'un coup, c'est pour ça que je préfère tenter. D'habitude, je fais un deck par un deck, etc. Là, ou alors, quand c'est des tout petits decks, genre Rush Duel, je les fais tous quasiment. Enfin, j'essaie de tous les regrouper. Là, j'ai regroupé les 4, surtout que c'était long, c'était des decks commandeurs, mais j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous retrouve pardon, pour d'autres vidéos, que ce soit évidemment sur du Magic the Gathering, mais également si vous êtes intéressé sur du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy TCG. Du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Et du Yu-Gi-Oh! Rush Duel en passant par le Bakugan, c'était Siwed. A plus tout le monde!